Salut à toi l'internaute derrière ton petit écran. Je me mets comme ça parce que tu vas pas me voir sinon avec le soleil. Je voulais vous faire une petite vidéo pour montrer les systèmes de protection anti-gelée dans les vignes que mettent en place les viticulteurs. Et là, comme vous l'avez vu, bah, on arrose en fait. On arrose. Alors ça peut paraître bizarre d'arroser quand il gèle. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. La vigne, en fait, la feuille de la vigne, le bourgeon, quand il pousse, il gèle à moins 1,5, moins 1,7. Ça dépend des variétés, ça dépend aussi de l'humidité, enfin bon, bref. Mais en tout cas, il gèle à un peu plus de moins 1. Et donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on arrose toute la vigne pour la recouvrir de glace. Et la glace, elle est à 0 degré. Et donc, au final, la glace va fermer un cocon autour des feuilles et va protéger le bourgeon à 0 degré. Et c'est ça qui va empêcher la vigne de geler. On utilise la glace pour isoler du froid. Et donc ça, c'est super ingénieux. C'est les protections qu'on voit là. Et je vous remontre ça parce que c'est super joli à voir avec le soleil. Alors vous entendez sûrement des bruits de fond, des moteurs et tout ça. C'est effectivement les tracteurs qui font tourner toutes les pompes qu'on a besoin pour arroser. Donc là, je vais vous montrer un petit bourgeon. Hop. Voilà, de près. Regardez-moi ça comme c'est joli. Donc là, il est tout pris dans la glace. Hop, ça commence à fondre parce que le soleil s'est levé là. Et puis, vous voyez, la glace commence à tomber. Donc le bourgeon est protégé à 0 degré dans la glace. Comme ça. Et c'est ce qui va l'empêcher de geler. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo savoir sur la viticulture. Et je vous laisse avec ce joli paysage. Bonne journée !